Un drag queen, qu'est-ce que c'est un drag queen? Drag king, justement. Ah, drag king. Je ne connais pas de drag king. Bonne question. C'est comme un drag queen, mais en king. Yeah! C'est une femme avec une jolie moustache, une jolie paire de bas, mais sauf qu'elle se les met pas. Elle se les met entre les jambes, pas sur les jambes. L'inverse alors, ça serait peut-être l'inverse, et en ce cas-là, une femme en homme alors, ce serait ça, sans talon aiguille, voilà, tout à fait, et avec une cravate en ce cas-là. C'est se réinventer la masculinité quand on est meuf. C'est ça un drag king. Pour moi un drag king c'est un être humain ou une être humaine qui joue avec les codes de la masculinité. Même moi je suis un peu drag king ce soir parce qu'à la base je suis quand même assez folle. Ce soir j'étais un peu plus dans la masculinité. Pour moi drag king c'est juste un jeu de rôle au final. C'est juste une meuf qui se déguise en mec. Pour moi un drag king c'est quelqu'un qui est en plein ancré dans la théorie queer. À savoir quelqu'un qui a plusieurs pieds, parce que c'est très important d'avoir plusieurs pieds, et qui peut les mettre dans différents espaces qu'il découvre tout au long de sa vie, voilà. Si je serais un drag king, je serais qui? Eh bien, moi je serais Leonardo DiCaprio, ouais, en blonde, ouais. Je serais super sexe, barbu, chemise à carreaux, petit bonnet, jean un peu canadien. Ce serait ça mon drag king. Je prendrais un truc qui fait chier tout le monde, Max Sweeney par exemple. Si j'étais un drag king, je pense que je serais queen. Je pense que si j'étais un mec, je serais hyper lourde. Genre déjà que genre je suis trop pas subtile, genre je vais voir les meufs en leur faisant genre Alors si en plus j'étais un mec, mais laisse tomber. J'ai toujours rêvé d'être un mec, ça tombe parfaitement bien. J'aurais un peu rasé, un peu métisse, cool. Ouais. Mec Ouais. Ouais, le documentaire sur les drag kings, c'est super génial. Moi franchement, j'avoue, dès que je vois passer le lien, je le regarde direct. Je soutiens le film Drag King et je vous souhaite une bonne année. Je suis Rag et je soutiens le docu de Chris Lag, Drag Kings. Je soutiens très fortement le film Drag King de Chris. Lumna de Barbiturix, je soutiens le film Drag King de Chris Lag. Comme je trouve les drag queens super excitantes, donc je dois trouver les drag kings super excitantes. Je soutiens le film Drag King. Bonjour, on est une dizaine de filles, un collectif qui sortons une nouvelle revue lesbienne qui va s'appeler Well Well Well, qui s'adresse à toutes les lesbiennes. On va faire plein d'articles super fouillés et je soutiens le film Drag Kings. Un truc aussi singulier que ça, en tant que personne super singulière, super branchée, je me dois quand même de regarder quoi. Je soutiens à fond le film Drag King et beaucoup de visionnage sur Facebook, sur YouTube, sur au ciné, partout quoi. Ce documentaire peut montrer une autre façon de jouer avec les genres et une autre façon de s'en détacher aussi. Oui, je soutiens parfaitement le film Drag King de Chris Lag. J'irai voir ce film Drag King qui nous apprendra plus sur les drag kings, bien évidemment. Je soutiens le film Drag King à fond. Hey. Tu devrais kiffer. Yeah.